Salut tout le monde, c'est Suku 1.49, bienvenue pour ce quatrième épisode de Spero 1 et The Dragon. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Dans le dernier épisode, on a réussi à faire le 100% pour tous. J'ai pas réussi encore à faire le 100% vol du jour, mais ça, on verra un peu plus tard. Allez, on va faire le prochain monde avant le boss. Je sais pas si on va le faire dans cet épisode, mais c'est le dernier monde avant le boss. Le Valet d'Oscur. J'espère que le début est bien enregistré. Oh, il est joli justement. Il est très joli. Hop. Donc là, il fera une flicante. Une clé. Allez, on est. Ça fait longtemps que j'ai pas de tournée de Spero. Je sais pas s'il faut faire quelque chose avec le feu de plomb. Sa papillon. On va libérer ce petit dragon. Tu ne peux pas charger les grands ennemis comme ce gnork avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. Ouais, c'est comme j'avais compris. Ah, le défait pour la maison. Et ici. Hop, par ici. On a quoi? Que croire, dragon? Et sans. Sans rubis, bon. Ça a l'air simple, ce niveau. Ah, j'ai oublié de planer. Un joli feu de camp. Alors, j'ai vu un trophée qui s'appelle Allumer le feu. Et je tourne le genre de décès de Johnny Hallyday. Ça fait un an, mais on s'emballe. Enfin, on s'emballe pas les steaks. Ah, je l'ai vu. Le prochain niveau. Le prochain pilier. Je sais pas comment on va y aller. Non, Johnny, c'était un bon chanteur. Bref, on n'est pas là pour parler de Jojo. Alors ensuite, faut aller par où? Allez, la bonne question. Alors, je vais juste regarder au niveau des contrôles, liste des actions. Alors, déplacement, cracher feu, attaque chargée. Ah,
putain, il me manque, c'est la clé. Ah, faut qu'on aille par là déjà. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Tu sais, on n'est pas trop bêtes pour savoir. Alors, oui, je sais qui... choses là. Pour l'instant, on est un peu le problème, on sait pas dans quelle direction il faut aller. Je sais pas, il y a un... ouais, il y a peut-être un passage créen là. Moi je connais pas le jeu, donc je sais pas où est le dernier dragon. Ah là, ah là aussi on est sur une impasse de niveau. C'est con, on pourra peut-être faire le boss dans ce épisode. On va libérer, puis comme ça on va aller au premier niveau. Hé, hey, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. Voilà. Tous les dragons ont été presque sauvés, sauf moi. Hop, on retourne dans la base. J'ai une spark. Ah bah c'est bon, il a assez. Régène. La petite clé. Sésame. Donne-moi les joyaux. 100%. Allez, on a fini le jeu. Assez court ce niveau. Impeccable. On se dépêche à faire le boss. Le nouveau monde, alors. Tac, par ici, je me dépêche. Un petit niveau, ça fait plaisir. Allez, retour à la maison. Et on attaque le premier boss
de ce let's play sur Spyro. Et on change de monde lors du prochain épisode. J'adore la musique. J'espère que je vais réussir. Allez, c'est parti pour le premier boss. Stosti. Ce mec aime bien faire les stos. Allez, batte assurément. Ouais, je vais aller battre assurément. J'ai à peu près compris leur système d'esquive. Là, il faut quoi? Juste un dragon. Ah là, j'ai les skills que je viens faire. Ah, beaucoup de... Voilà, premier dragon. Gnorc a nommé l'un de ses pires hommes de main pour s'occuper du monde des artisans. Qu'ils viennent! Je crois qu'on va faire un barbecue! Fais attention, Spyro. Tosti a plus d'un tour dans sa manche. Alors, là, tous les joyaux sont été faits. J'avais plus de papier de libellule. J'ai pas vu de libellule de reset. Ah, c'est génial, je recommence pas à zéro. Toaster.
marquage, voyons. Là. Ah, pas faux, je l'ai pas vu. Aïe. Yes, on a fini le niveau. On a vu, bah c'est pas vraiment un boss, c'est rien du tout. C'était un peu trop facile. On a fini le niveau presque à 100%. Il me restera, je vais faire la vol du jour un peu plus tard, je vous manquerai lors de peut-être prochain épisode, et je pense qu'on fera le prochain monde dans l'épisode suivant. Donc on va regarder notre carnet, on a 100% sur tous, c'est impeccable, on a les œufs, on a tous les dragons, donc il me restera le vol de jour à faire 100%, mais ça je le ferai un peu plus tard. Et ben c'est sur cet épisode peut-être assez courte qu'on va se terminer. Hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'était SoCooper9. Bye tout le monde. Et voilà, on est à fond. Tiens, je sais où on va s'arrêter. Alors le monde suivant, il est par ici. Allez, salut !